Vous êtes des milliers de téléspectateurs à nous suivre ici au Congo, Kinshasa, en Afrique, mais aussi dans le monde. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Model and Star Story, présenté par votre humble serviteur. Graxi, j'étais Moubiaï, que suis-je? Et j'ai l'honneur de savoir que vous êtes là nombreux pour nous suivre. Pour ce nouveau rendez-vous, nous avons reçu pour vous deux invités, deux acteurs de la mode congolaise qui font la fierté du Congo, Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons d'un grand thème qui s'intitule « L'argent comme pouvoir de la réussite dans l'industrie de la mode ». On en parle toujours parce que ces milieux de la mode a beaucoup plus de concepts, des complexes pardon, lorsqu'il s'agit d'argent. Alors, pour en parler, j'ai ici deux invités. L'une, c'est une super top modèle, l'international d'ailleurs que je dirais, la reine du passerelle. Elle s'appelle Betty Botofé et l'autre, c'est un couturier qui a débuté comme étant un étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, mais qui s'est tout petit peu focalisé à la mode. Ils sont là présents dans ces plateaux des Model and Star Story à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madi Tamboué. Vous allez très bien. Très bien, merci. Alors, je suis vraiment ravi et émerveillé de vous savoir ici sur ces plateaux pour parler de la mode. Merci beaucoup. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais ensemble avec le public que vous puissiez nous expliquer Qu'est-ce que signifie ce concept mode? Merci brièvement pour la parole, ouais. Gradine Tamboué. Pour moi, je dirais que la mode, c'est une façon de s'habiller, de se vêtir, ouais, conformément à une époque. Okay. C'est tout ça. Pour moi, c'est juste s'habiller conformément à une époque. Pour moi, la mode, c'est ça. Merci. Et monsieur Benjamin, vous partagez le même avis que Betty Botofé? Oui, oui, madame Botofé a raison. J'aimerais juste dire que la mode, elle varie avec le temps. Oui. Les époques passent et la mode varie aussi. Okay. Nous l'avons vu aux années 60, les parents s'habillaient au gros pantalon qu'on appelait comme pas d'éléphant. Pas d'éléphant, oui. Années... en lingala. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Aux années 90, c'était les gros pantalons jeans et les ouais, chemises enfilées. Aujourd'hui, on voit les jeunes aiment plus s'habiller en slim. En voilà, slim, Canada dit. Ouais, la mode, elle varie avec le temps. Donc, variable. Oui. Alors déjà, j'aimerais savoir, vous êtes mannequin évoluant. Betty Botofé, vous avez presque fait 7 ans déjà de carrière. C'est vraiment grandiose dans l'industrie de la mode. Et vous, Ben, actuellement 5 ans. Oui. Voilà, professionnellement parlant. C'était quoi votre engagement? Qu'est-ce qui a marqué votre début dans l'industrie de la mode? Premièrement, au début, c'était un peu très compliqué, mais je me suis fait violence de pouvoir sortir parce que j'ai regardé mes grands à la télé, mes aînés à la télé, voire même ma grande sœur qui est une ancienne top modèle à l'époque. Ouais. Et je suis vraiment allergique. Moi, j'aime la mode. La mode. La mode, c'est moi. La mode, moi, je dors avec ça. Je me réveille avec ça. Donc, ma vie, c'est la mode. Donc, pour moi, je dirais que... Vous respirez la mode. J'ai respiré la mode. La mode, c'est ma vie. Voilà. Donc, pour moi, c'est une histoire géniale que je n'ai jamais connue. La mode, c'est... Rien que ça, je respire la mode. Donc, pour moi... C'est j'aime parfait. La mode, ouais, c'est parfait. Notre ouais, cher licencié à la communication, autrement dit journalisme, et aujourd'hui se retrouve dans beaucoup plus la coupe couture. C'était quoi ton engagement comme ça? En fait, moi, pour la coupe couture, j'étais tellement trop déçu par le couturier. Oui. Pour faire sa couturier, l'amba boué, voilà, tant qu'on soit à salité. À salité. Alors, ça m'avait négativement beaucoup marqué. Voilà. Je voulais, au fait, faire mon histoire avec la couture. Oui. La couture, c'est moi, c'est comme Botofé, elle respire ça. Moi, oui, je respire la couture. Donc, je me sens en l'aise avec les tenues que je fais moi-même. Ok. C'est un peu ça. Donc, alors, vous êtes mannequin aujourd'hui, aussi couturier. Oui. Plusieurs parents aujourd'hui s'étonnent, en fait. Ils ne veulent pas que leurs enfants empruntent cette carrière de mannequinat. Déjà, la coupe couture qui est considérée comme étant un métier de raté, en fait. Même pas des femmes, mais des ratés, des gens qui ne veulent pas étudier, moins intelligents. Voilà, ils ont réagi comment dès lors qu'ils ont su que vous aviez cette passion-là de travail pour la mode? Premièrement, je suis née dans une famille... des modèles. Oui. À l'époque de Mobutu, j'avais ma tante maternelle qui était Miss à l'époque de Mobutu en 1978 voilà, déjà. Je n'étais même pas dans le projet de venir au monde. Voilà. Et voilà, je suis rentrée dans la mode, dans l'espace de la mode. Oui.
J'étais déjà orpheline, j'avais déjà perdu mes parents. J'étais Voilà. avec ma grande sœur qui était déjà dans Dans ces milieux. ces mulles-là. Et il m'a, en fait, elle m'a plutôt, Elle t'a beaucoup plus elle m'a excité que voilà. aidée, elle m'a orientée, elle m'a dit, Betty, si tu veux être mannequin, tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela, donc tu dois te discipliner. Et je suis la mannequin que je suis aujourd'hui Donc c'est pas grâce au votre conseil de modèle ma, principal en voilà, fait. c'est vraiment mon modèle principal, ma sœur, first. Voilà. Je salue déjà la maison Pascaline Elle Botoffé. s'appelle comment? Pascaline Botoffé, Ok, on les exactement, salue ouais. hein, en Je passant. salue Voilà. Pascaline Botoffé. Donc, c'était vraiment elle, ou c'est elle Ouais. qui m'a vraiment orientée. Voilà. Donc, je dirais que c'est un milieu glissant, c'est un terrain vraiment glissant. Voilà. C'est, oui, on est exposé aux Oui, faut gens. t'exposer. Donc, si tu as vraiment la présence d'esprit, tu vas dire que non, je suis là pour mon métier, Voilà, rien rien de que le plus. métier. Non, rien que le métier, j'exerce mon métier. Le reste, je m'en Avec fous. Donc, beaucoup je ne plus peux pas mélanger de principes. les métiers plutôt et le loisir. Si Voilà. j'ai dit je suis mannequin, je reste dans mon coin, dans mon carré de mannequin. Donc, je ne peux pas déborder pour créer un peu d'embouteillage dans le secteur. Voilà. Pour les Ouais. couturiers, Bon, Ben. contrairement à Botof, moi, ce n'était pas facile. Voilà. D'abord, je suis fils d'un pasteur. Et Oh. chez nous, ce n'est pas du tout facile de voir les fils d'un pasteur Devenir devenir mannequin mannequins. et faire la Ça ne coupe marche couture pas. aussi On également. nous oblige de coiffure, Voilà. les techniques exposent le corps et ce n'est pas Voilà. facile. Ma mère ne voulait pas, mais avec le temps, j'ai essayé de la convaincre. Je suis fils d'un pasteur, je garde ma foi chrétienne et rien ne paie. Vous le Mais faites de, intelligemment, voilà, ouais. Tout en restant avec avec les la crainte de principes Dieu. chrétiens. Oui, Voilà. c'était pas facile, mais avec le temps, les parents trouvaient que c'était ça ma vie. Ok. Parce que j'ai fait facile la communication, donc ça Voilà. englobe le tout. C'était ça ma vie, ils ont compris, c'était ça ma vie et ils m'ont laissé faire. Et je suis béni grâce à eux. Très rapidement, nous entrons au vif du sujet pour savoir. Nous parlons de l'argent comme étant un pouvoir de la réussite dans l'industrie de la mode. C'est un sujet qui vous concerne, vous deux, parce que d'un autre côté, le mannequin s'est plaint en fait du fait qu'ils ne sont pas très bien rémunérés. Et puis de votre côté, ce sont les investigateurs. Alors, l'argent constitue vraiment un grand pouvoir pour ces milieux. Vous, on vous sollicite d'ailleurs peut-être aussi gratuitement, mais à temps Ouais. bout, mais vous le faites toujours. C'est un Exactement. pouvoir, apparemment. Ouais, l'argent a un pouvoir, ouais, comme tu l'as dit là, il a un grand pouvoir. Pourquoi? Parce que si on est, par exemple, dans une agence des modèles et que on n'est pas rémunéré à la fin du mois, parce qu'on voit dans les agences réputées à l'étranger, par exemple à Johannesburg, admettons, à Johannesburg, il y a des mannequins qui sont payés par mois. Que tu défiles ou pas, tu as ton salaire à la fin du mois. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a des mannequins qui émergent dans des agences sans pour autant signer de contrat, rien Voilà. du tout, et on ne s'est pas payé le mannequin à la fin du mois. Donc, tout ça là, ça compte. Or, si on a un très bon contrat avec des très bons partenaires, on Voilà. va voir que les mannequins vont Vont aller à l'avant, vont exceller. exceller, vont Voilà. avancer. Mais ici, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, voilà. Ben, Oui, je partage l'avis rapidement, de Betty. Elle a complètement raison. Chez nous, les mannequinats, c'est comme un métier de délaissé. On travaille sans être rémunéré à la fin. On donne tout de nous. voilà. On a le temps d'aller de la gym, on paye de l'argent, on paye des belles chaussures pour défiler, mais à la fin, on ne On gagne gagne rien. absolument rien. Voilà. C'est un peu ça. On poursuit avec cette question, chers téléspectateurs. On revient après cette transition. Je suis Sonny Kamana. Suivez-moi sur Leadership Moment, votre chaîne. Chaîne de choix. Leadership Moment, votre chaîne de tous les jours. Sur YouTube. Leadership Moment, la chaîne des stars. Retour sur ce plateau des Model and Star Story. Je vous rappelle que si vous voyez ces très beaux cadres, nous sommes bel et bien à la boutique Forever qui nous a d'ailleurs permis à faire cette émission ici. En tout cas, nos sincères remerciements au manager des Forever. Alors, je suis avec mes deux invités, hein, les acteurs de la mode avec qui nous parlons d'un grand sujet, d'un thème qui s'intitule l'argent comme pouvoir de la réussite de la mode. Avant de poursuivre mes questions, j'aimerais revenir par vous qui êtes les couturiers. Vous qui avez souvent tendance à organiser des shows et tout consort, même pas si vous ne l'avez pas encore fait, mais quand même vous pensez à ça. N'est-ce pas votre engagement pour qu'il y ait une très belle rémunération à l'égard du mannequin qui se plaignent souvent? Premièrement, la Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Oui.
quand on fait travailler une personne, c'est normal de le payer à la fin. Voilà. Et quand il n'y a pas une rémunération à la fin, soit on te traite d'aventurier, oui, soit on dit exploitateur. Donc, Ozo, profitez de la banne là-bas. Quand on a le courage d'organiser un événement, on doit assumer jusqu'à la fin. Oui. Tu prends un engagement avec quelqu'un, je suis avec Botof aujourd'hui. Non, là, si Botof est la main, la foutu, il était énorme, il est un aventurier. Ozo, il est l'esclave. Voilà. Donc, je suis là, je cours, voilà, je donne tout mon amour dans mes tenues. Et à la fin, je dois rémunérer mon toi, voilà. C'est un peu ça. Alors, nous sommes toujours dans ce sujet d'argent. Vous êtes tous les deux le mannequin. Tous les deux dans le Kamuna qui mannequina. Vous présentez, lorsqu'on vous voit dans des réseaux sociaux, tout consort, vous êtes vraiment des stars. Hein, des stars. D'autres d'ailleurs ne pensent même pas que vous vivez réellement au Congo-Kinshasa. Mais il y a une petite préoccupation. La mode, déjà, les mannequins en question en soi, c'est traité de beaucoup de noms ici au Congo. En manquant d'argent, vous voulez ressembler aux stars que vous présentez dans les réseaux sociaux. Apparemment, ça vous envoie à vous prostituer, quelque chose du genre, pour ressembler à avoir cette envie. Il y a des choses comme ça qui se passent. Grady Tamboué, ouais, je dirais, first, l'homme est né fille bon. Comme garçon, hein. Voilà, voilà, l'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Je sais que tu connais bien voilà, cette phrase-là. Cet adage, ouais. Si tu es issu d'une famille noble, voilà, tu as le respect, tu ne vas pas faire du n'importe quoi quand tu es dans l'industrie de la mode. Tu ne vas pas faire du n'importe quoi. Mikondiba, au moins, ok, bah. Non, écoute, Mikondiba, Zabatou, s'il te plaît, là. Mikondiba, Zabatou, mais si tu as. Parce qu'on dit être mannequin, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit. Voilà. Donc, je suis mannequin, en fait. Voilà. Tous les mannequins au Bazali, il y a des mannequins qui sont déjà occupés. Ils ont ou elles ont leurs copains ou copines. Donc, ce n'est pas forcément, quand on est dans l'industrie de la mode, on doit se prostituer pour gagner de l'argent, pour apparaître comme les autres mannequins qu'on voit à l'étranger. Moi, je dirais que c'est faux. Donc, c'est une éducation, c'est un état d'esprit aussi. C'est aussi l'environnement, l'influence, voilà, des amis, des copains, des copines, des gens qui t'entourent. Dis non, Grady, tu vois pas, tu vois ta tenue là, si tu te présentes à l'hôtel du feu, par exemple, voilà, on va pas te faire entrer. Tu dois faire ceci pour obtenir cela. Et pour... Moi, franchement, je suis contre ça. Si je veux faire quelque chose que moi-même, je veux bien le faire, je le ferai. Avec conscience. Avec passion. Avec tranquillité. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est pas évident quand tu es mannequin. Tu combines et la prostitution et le mannequinat. Je vois que c'est des choses qui ne se diffèrent pas. Franchement, c'est du blabla. Pour les messieurs. Ouais. Moi, je vais voilà, aller à l'idée de Betty. Betty a complètement raison. En fait, les mannequins, tu es comme un impressionniste. Voilà. Donc, on vit dans la bande d'auto. C'est un peu ça. On a une émission, on a défié l'amba. Comme nous, on a l'amba au défi. Voilà. Et pour garder les caps, je suis obligé soit. Enfin, on a commis les angles. Voilà. Ah ouais. C'est un peu. Donc, ils ont état d'esprit. Maintenant, l'éducation est en train de se faire. Si tu déjà bon, tu es mannequin, tu continues avec. Mais si tu as une bonne base, une bonne éducation de famille, peu importe le niveau commun, Betty, Azaz Star. Hein. Mais c'est elle, là. Elle est là. Alors, c'est là lorsque ça arrive à vos tuteurs. Là, je parle de parents, ouais, des grandes sœurs. Ouais. Ils ont quel conseil à vous prodiguer? Bon, moi, personnellement, d'abord, les mannequins, c'est quelque chose qui me permet de mettre en valeur ce que j'ai de bon. Ouais. Avoir une belle taille, ce n'est pas donné à tout le monde. Une belle ouais, peau, c'est pas donné à tout le monde. J'ai une belle peau, quand même. J'ai une belle taille, alors je profite de mettre ce que Dieu m'a mis voilà, comme en valeur. C'est un peu ça. Mais en famille, c'était difficile au début. Voilà. Avec le temps, ils m'ont laissé faire. Voilà. Mais je garde ma foi chrétienne comme base. C'est un peu ça. Betty Boutoufi, quand ta soeur, en tant que mannequin, dans son moment voyagé, voilà, vous sentez assez star et vous êtes à la portée des... presque tout genre, des prostitutions. C'est quoi les conseils que ta sœur, qui t'a beaucoup plus motivé à les faire, tes conseils du jour au lendemain? Sa phrase était, Betty, sois toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, donc continue, sois consciente, c'était ça. Et moi, de mon côté, je me suis dit, c'est ma vie. Donc, je ne peux pas mettre ma vie en danger pour obtenir, par exemple, une Range Rover. Voilà. Je ne peux pas. J'ai mes contacts, je suis à pied, je suis piéton, je marche à pied. Et ça me suffit, je suis tranquille comme ça. Je ne vais pas passer sur les boulevards, tous les chéguets. Merde, je n'ai pas ce temps-là. Moi, j'aime vivre ma vie dans la tranquillité et dans la paix. C'est ça la vie de Betty. Vous faites une exception. Mais êtes-vous sûr qu'il y a d'autres qui le font?
Là, oui, c'est leur vie, non, non. C'est leur vie, on ne sait pas le nom de quelqu'un, mais... Non, non, moi je dirais, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Non, non, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Voilà. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une base, c'est de l'éducation. Voilà. Si tu es issu dans une famille pauvre mais noble, tu as des valeurs. C'est ça. Okay. Tu t'es dit, je ne peux pas faire n'importe quoi pour obtenir... Non, 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 tu t'es dit, je garde mon coin, je reste là où je suis. Je reste focus à mon travail. Voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce que le mannequinat peut enrichir? Vous avez parlé tout de suite là de... problème de conscientisation, des très belles familles nobles qui t'ont donné une très belle éducation dès les bas âges, et là ça te permettra d'être focus et d'avoir la droiture. Déjà, comment le mannequinat peut en soi enrichir un mannequin, modéliste, styliste, couturier? On commence par Betty Botofé. Ça peut enrichir une personne si tu es sérieux. Ouais. Tu dis, je suis styliste, je reste là. Je confectionne mes histoires, ma collection. Mmh. Je mets ça en valeur. Je cherche des mannequins qui ont de la valeur en soi. Oui. J'ai dit, Betty, prends ces vêtements, par exemple. Présente-moi ces vêtements. Là, si tu veux faire des vêtements qui ne correspondent pas à ton esprit, parce que c'est une inspiration déjà. Voilà. Quand quelqu'un confectionne son vêtement ou son habit, c'est déjà le spirituel qui commande. Son intérieur qui son travaille. Intérieur. Si toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas stable, tu n'es pas posé, donc tout ce que tu vas faire, ça serait nul. Moi, je dirais, c'est la spiritualité d'abord qui capte les physiques. Donc, tu fais la chose avec beaucoup d'amour et tu espères quoi? En retour, que Betty se promène avec ça dans une boîte de nuit. Non, non. Ça serait sur une passerelle, et une noble passerelle. C'est l'esprit qui compte, c'est l'intérieur, je dirais. Merci. Oui, je partage la vie. Les couturiers. Moi, je partage la vie de Betty. D'abord, c'est le sérieux. Voilà. Et la précision. Tu dis, qu'est-ce que je fais? On voit aujourd'hui, Moutouaza, il y a mon mannequin, il y a mon accessoiriste, il y a mon styliste, il y a mon couturier. Voilà. Finalement, on ne sait plus où les cadrer. Ouais. Moi, je dis, je suis couturier, je couds. Et je mets de l'amour dans ce que je fais. C'est un peu ça. Ok. Alors, nous reviendrons tout de suite pour continuer cette émission. Salut, moi c'est Romain Doumba, metteur en scène, comédien, coach de comédien et enseignant d'art dramatique. Pour une culture d'excellence, pour une connaissance et pour avoir sa place de leader dans cette société, je vous invite à faire comme moi. À vous abonner massivement à la chaîne Leadership Moment TV. Faites confiance à Leadership Moment TV avec Dan Mouchia. Des retours sur ce plateau des Model and Star Story. Je vous les rappelle que je suis dans la boutique Forever. C'était grâce au manager de cette boutique que nous avons eu cet espace si beau, un très beau cadre, qui nous sert aujourd'hui de passer notre émission avec mes deux acteurs de la mode, Betty Botouf et puis Benjamin Grasse. Alors, nous continuons avec notre idée. Là où nous parlons du pouvoir que l'argent peut avoir pour la réussite de la mode, dans l'industrie de la mode. Alors, qu'est-ce que vous espérez, étant que couturier, premièrement, et étant aussi mannequin, de l'avenir de la mode ici à Kinshasa? Donc, vous êtes professionnel, vous avez autant duré, 5 ans, c'est pas petit, 7 ans également. Selon vous, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Il y a comme si beaucoup de choses ne marchent pas dans cette industrie, vous étant que couturier, vous étant que mannequin? Moi, je dirais que nous manquons une seule chose, c'est le sérieux. Le sérieux. Le sérieux, la considération. Surtout ça. Surtout ça. Parce qu'ici, on ne considère pas les modèles. Oui. Même si on fait, je ne sais pas, on prend le ciel et la terre. Comme si c'était votre jamais, dernier jour. Jamais. On ne considère pas le mannequin ici. La preuve, on a eu beaucoup de fashion week ici. Voilà. On n'a jamais considéré une mannequin comme étant quelque chose d'important qu'on peut placer dans une industrie de la mode. Non.
Mais on voit ça à l'étranger, comme on nous traite. Par exemple, j'étais en Éthiopie en 2017. Voilà. J'ai vu comment est-ce qu'on m'avait traité. C'est comme si je me suis retrouvée plutôt à la place de Naomi Campbell. Voilà, tout le monde voulait prendre des photos avec moi. Tout le monde voulait. C'est comme si votre valeur est beaucoup plus vue à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'extérieur, voilà. Donc je me vois plus mannequin à l'extérieur qu'à l'intérieur de mon pays. Donc je dirais que soyons sérieux, rien de plus. Soyons sérieux, considérez le mannequin. Mannequin, moi, j'ai dit au départ que la mode, c'est tout un pays. Voilà. On ne peut pas parler d'un pays sans pour autant parler de la mode. Voilà. Donc, c'est le sérieux et la considération. Je voulais juste te dire. Ouais. Je ne sais pas s'il a un lui mot à qui dire. Qui est polyvalent, couturier et puis mannequin. Premièrement, il faut distraire de deux côtés. Voilà. Les stylistes doivent mettre du sérieux et nous, mannequins aussi. Parce qu'on se laisse exploiter pour rien. Comment ça? Franchement, je sais non sur mannequin, je connais ma valeur. Voilà. Donc, on dit, c'est ce sens-là. Et c'est sur ce que Boto a dit, il nous faut du sérieux. Il faut du sérieux. On est membre. De la part du mannequin. Puis oui, oui, et des organisateurs aussi. Mmh. On a vu des événements qui sont passés ici. On a donné tout. Mais à la fin, rien. Rien. Et juste là, on a 2000 francs. Voilà. En fait, le mannequin est un peu sous-estimé. Contrairement aux étrangers, nous voyons les mannequins sont des hommes de valeur. Mais chez nous ici, bon, on bat fout tout, hein. C'est un problème des sérieux que vous avez dit. Donc, j'espère que nos autorités sont en train de nous voir. Mais les sérieux là doivent provenir de qui? Du ministère des cultures, voilà, soit des organisateurs, parce qu'eux aussi doivent faire leur part. Tu as de la réponse, Grady. Voilà. Le sérieux commence au sommet. Si le sommet est foutu, donc en bas au rez-de-chaussée, il n'y aura rien. Le sérieux doit commencer là, au sommet. Voilà. Donc c'est ça. Les ministères, les organisateurs, les mannequins, les stylistes, là, vous allez trouver qu'il y aura du sérieux. Si là-bas, il n'y a aucun sérieux, dis-moi, qui suis-je plutôt pour être sérieuse ou pour être sérieux comme étant couturier? Je ne sais pas, on doit commencer à fouetter les modèles et les autres, et les ministères, les ministres, donc on demande qui est du sérieux, pas plus. Donc la part est vraiment partagée, le ministère de la Culture, vous qui nous regardez en ce moment, vous les mannequins également, et puis vous les organisateurs, entre autres stylistes, couturiers et tout consort. Donc voilà, Betty Botofé, nous chutons déjà vers la fin de notre émission, vous êtes mannequin. Explique-nous un peu comment est-ce qu'on peut vous retrouver. Votre carrière, ses régimes, en quoi en fait? Ma carrière en mannequin, c'était, j'ai commencé exactement en 2010. Voilà. Bon, à cette époque-là, j'ai fouillé. Il y a eu un collègue et une collègue mannequin qui venait me chercher à la maison. Des fois, je fouillais et tout. Voilà. Mais les jours où j'avais vraiment mis mon intelligence, c'était en 2013. J'ai fait first Fashion Week, c'était en 2013, voilà. C'était Kinshasa Fashion Week, là c'était le départ des Betty, et c'était après, l'ascension des Betty. Et après on t'a vu dans plusieurs passerelles en Afrique, j'ai fait trois Fashion Week Congo, j'ai fait Éthiopie, une fois j'avais fait Zimbabwe, c'était en cachette, j'ai voulu que les gens sachent, parce que vous savez, avec le cœur que nous avons ici, nous les modèles et les autres, des fois il faut faire les choses avec beaucoup de discrétion. Voilà. Si tu n'es pas discret dans la vie, vous allez voir que vous allez vous exposer pour rien. Donc dans la vie, il faut être discret. J'ai fait aussi Zimbabwe, derrière, juste après notre voyage avec Madame Rachou. À l'Éthiopie, là, je salue d'ailleurs Madame Rachou Olombe, mes respects Madame, maman. Okay. Donc c'est ça. Et j'ai pas mal fait. Au Bas-Congo, Mwanda, donc c'était vraiment une carrière louable. Voilà. Le couturier qui est, entre autres, licencié en communication aujourd'hui, couturier. Ah là là, ça parle beaucoup, mais comment on peut retrouver votre collection aux gens qui veulent vraiment goûter? Et puis, qu'est-ce qui résume votre carrière? En fait, moi, c'est Dosé Fashion. Dosé, j'ai pris Do comme Doris, c'est le nom de ma mère. Voilà. Zé, c'est Zé, c'est le nom de mon père. J'ai mêlé les deux, ça fait Dosé pour rendre hommage à mes parents. Voilà. En fait, je suis couturier depuis, je crois,
décembre 2018. Je prépare une collection. Malheureusement, le confinement nous a tout bousillé. J'attends que le confinement prenne fin. Comme ça, je vais dévoiler au monde mon savoir-faire. Okay. J'ai du talent. J'ai de l'amour pour mon art. J'ai tout pour Et s'il faut mélanger ce que vous avez eu à faire, vous êtes journaliste, hein, comment on dit, communicologue des formations, et vous saurez les combiner? En fait, pour moi, c'est une grâce. J'ai appris la communication vestimentaire à l'EFASIC. Okay. Donc, je fais mes tenues avec l'art. Okay. J'ai appris à l'école et j'applique par mes créations. Donc, je ne fais pas comme un informel. Je le fais parce que j'ai appris la communication vestimentaire à l'EFASIC et cela m'aide à faire mes créations, mes inspirations, voilà un peu la base. J'aime ça, oui. Ah, l'EFASIC m'a beaucoup aidé avec ce que j'ai appris et je combine facilement les deux. Avec cette intelligence que l'EFASIC t'a appris en fait. Oui. Alors merci, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. C'était votre émission quotidienne Model and Star Story. Je suis Graxi, j'étais Mugayi, le présentateur du moment de cette émission. J'étais visité par nos deux acteurs de la mode, Betty Botofé, à qui j'ai dit merci d'avoir été la nôtre aujourd'hui. Merci, Grady. Et Benjamin Grasse, voilà. L'homme en deux prénoms, les couturiers aussi, les communicologues. Alors, votre mot de la fin, avant de clôturer l'émission. Ah, mon mot de la fin, c'est... Je ne suis ni mannequin, ni actrice de la mode. Je suis juste une femme qui se balade dans des différents univers. Mmh. Donc, je dirais que, soyons sérieux, bossons sérieusement. Voilà. On doit savoir ce qu'on veut exactement dans la vie. Okay. Et on va aller de l'avant. Merci. Dernier mot. Moi, je dirais, comme Botofé a dit, on est mannequin, on a nos parents. On a nos familles, on est des personnes humaines, on a nos sentiments. Un mannequin n'est pas un démon, c'est une personne tout entière. Voilà. Donc, vos considérations erronées du mannequinat, il faut arrêter avec ça. Suffire de voir aujourd'hui ma collègue partager le même plateau. Ça fait tellement longtemps, je suis très ravie de la voir. Je suis très contente. Ok, vous me connaissez avant de venir ici. Ah oui, on est potes. On est potes. Coïncidence, en fait. On se connaît, oui. Ouais. Okay. C'est vraiment un honneur pour moi de partager le même plateau avec elle. Merci beaucoup. Merci à la boutique Forever. En tout cas, je ne cesse de les rappeler. Hein, ils nous ont ouvert leur porte, en tout cas, mes sincères remerciements. Aussi à mon maquilleur du jour. En tout cas, ce garçon, c'est un talentueux. Hein, c'est Beauty Lama de Jean-Luc. Beauty Lama de Jean-Luc, en tout cas. Il est aussi vendeur ici à la boutique Forever, pardon. Donc, c'est lui qui m'a maquillé aujourd'hui. Donc, si vous voyez des très belles images comme ça, c'est grâce à lui. Mais sans oublier mon équipe technique des matouches numériques, voilà, qui m'accompagne du jour au lendemain pour la réussite de cette émission. En tout cas, coup de chapeau, mon vieux, là où vous êtes, en tout cas. Vous êtes professionnel. Voilà, je manque même des mots. Merci également à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent et qui nous font toujours confiance pour la bonne réussite de cette émission. Retrouvez ça sur Leadership Moment, votre chaîne YouTube. Actuellement, nous passons là-bas et après, nous allons voir ce que la vie nous réserve. Quant à moi, Graxi, j'étais Mugayi, l'homme en couleur, les mannequins des mètres 90. Je vous dis merci et merci à Dosé Collection. Si vous voyez, voilà cette allure. Merci. Cette élégance, c'est grâce à mon ami Benjamin que j'ai reçu aujourd'hui sur les plateaux, les grands couturiers d'Osé Fashion, d'Osé Collection. Donc voilà, retrouvez-lui, ça sera énormément plaisir pour vous habiller. À la prochaine.